Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo très spéciale dans laquelle je vais vous montrer la coiffure qui m'a choquée à vie. Regardez ça, j'ai reçu des magnifiques extensions de la marque Clay Virgin Hair, elles sont vraiment trop belles, du coup je voulais vous montrer un petit peu cette wig, ces mèches, etc. Donc voilà, je suis vraiment trop contente les amis. Bien sûr aussi je vais vous montrer une magnifique routine soin de chez Estée Lauder qui est de ce côté là, voilà, qui fait beaucoup de bien à ma peau n'a jamais été aussi nickel, donc je vais vous révéler aussi ce petit secret. Et bien sûr je vais vous montrer comment bien lisser ses cheveux à la perfection, tous mes petits secrets, mes petites astuces et ma meilleure technique. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Comme toujours, mettez plein de gros pouces en l'air pour voir encore plein de vidéos coiffure, beauté, make-up, etc. Mettez un maximum de pouces en l'air. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la Makeup Chic Family en cliquant juste ici de ce côté-là. On est de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. Donc merci à tous pour s'abonner, c'est juste ici, et activer les petites notifications en cliquant sur la petite cloche pour voir toutes mes vidéos avant tout le monde. Bref, c'est parti, j'envoie la vidéo et on commence tout de suite. Let's go. Alors les amis, comme vous le savez, si vous me suivez sur Snapchat, n'hésitez pas à m'ajouter, c'est Makeup Chic 119. J'ai été contactée par beaucoup de marques de mèches, voilà, de marques de wig, extensions, etc. Voilà, et je vous ai demandé si ça vous plairait que je fasse des vidéos coiffure, et vous avez été très nombreux à me dire oui, fais-en, etc. Donc aujourd'hui, je voulais vous montrer franchement la meilleure coiffure que j'ai pu tester. Franchement, je suis complètement choquée. Là, je suis choquée à vie, clairement, c'est vraiment trop beau. Regardez, c'est grave beau, c'est archi beau, je suis trop choquée. Donc en fait, c'est ma coiffeuse qui me les a confectionnées, voilà, qui m'a confectionné cette wig, elle est vraiment trop belle, je suis trop contente. Du coup, je vais vous montrer un petit peu étape par étape comment je fais pour vraiment la styliser, pour faire mes photos sur Instagram. Ajoutez-moi aussi si vous voulez, c'est Makeup Chic 119. En tout cas voilà, c'est vraiment trop beau. Regardez le devant, il est magnifique, c'est trop joli, je suis trop contente. Du coup alors comment je fais, déjà dans un premier temps les amis, on va venir un petit peu peigner tout ça. Je peux brosser aussi, mais là je vais venir peigner, hop, tout simplement parce que les cheveux sont vraiment très fins, très brillants et super faciles à coiffer, donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, on fait comme ça assez rapidement, et c'est une coiffure aussi que vous pourrez reproduire en cours, voilà, ou au travail, peu importe, il n'y a pas de souci, elle est vraiment très facile, vous allez voir, et ça va vous permettre d'avoir une belle coiffure trop stylée. Donc déjà dans un premier temps, je vais utiliser mon petit peigne chauffant, voilà, qui est comme ceci, c'est vraiment The Revolution, il est vraiment trop bien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense, et du coup je vais venir directement, vous voyez, juste là, lisser davantage et surtout plaquer les cheveux. Tadam ! Donc voilà, ça c'est vraiment une tuerie, je l'utilise tout le temps. Oh, il est trop bien, franchement les filles, en 2019 vous êtes obligées d'avoir ce peigne chauffant, il est vraiment trop bien. Donc voilà, vous voyez, moi je fais comme ça, hop. Et en fait ça fait une espèce de brushing, enfin c'est vraiment trop bien, j'adore, j'aime trop. Et personnellement, je peux plus m'en passer, quoi. Alors, ce qui est bien aussi, là, il est hyper chaud. Mais ce qui est bien, c'est que, bien sûr, vous pouvez régler tranquillement, voilà, comme vous voulez. Regardez la tête que j'ai, là, ça va pas du tout. Mais vous inquiétez pas, après, vous allez voir, les cheveux sont vraiment tout lisses et très beaux, quoi. Donc voilà, hop, déjà ce que je fais. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir tracer ma raie. Donc, je vais la faire à ce niveau-là, un petit peu naturelle. Donc, je vais pas trop la faire trop droite non plus. Hop là, comme ceci. Voilà, ici comme ceci, c'est plutôt pas mal, vous voyez. Hop là, j'ai des cheveux, des petits baby hair aussi. J'ai pas fait de baby hair aujourd'hui et franchement, j'aime tellement le résultat que je trouve ça vraiment hyper joli, très naturel. Et franchement, je trouve ça magnifique. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Et si vous voulez voir plein de vidéos make-up et des vidéos coiffure, comme je vous l'ai dit, mettez un maximum de pouces en l'air. Comme ça, j'en referai parce que j'adore ça et je sais que vous aimez ça aussi. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Et là, attendez, je vais attacher juste pour vous montrer en fait... comment c'est, vous voyez comment c'est trop beau. C'est vraiment trop joli, quoi. J'aime trop. Bon, alors j'enlève mon petit papillon. Ensuite, une fois qu'on a les cheveux bien brossés, donc n'hésitez pas à bien prendre le temps de bien les brosser, coiffer, peigner, tout ce que vous voulez. On va prendre bien sûr notre fer à lisser. Donc moi, je l'avais reçu de la part de Revlon. Il est trop bien, je le lâche pas lui. Il est trop cool, je l'adore. Et du coup, on va venir lisser nos mèches une après l'autre. Voilà, hop, comme ceci. Regardez, il est trop bien en un seul passage, c'est super bien lissé. Et du coup, je vais faire comme ceci, vous voyez, hop, tout simplement. Oh, regardez comment c'est hyper lisse, c'est très chaud aussi, mais regardez comment c'est trop beau. J'adore les cheveux très lisses en ce moment. Vous savez que j'adore les boucles à la base, mais là, je sais pas pourquoi, j'aime trop les cheveux hyper lisses. Je trouve ça vraiment trop classe, super chic, donc voilà. Hop là. Et voilà, donc ça pour les cours, c'est vraiment une coiffure magnifique, n'hésitez pas à la reproduire. Là, voilà comme ça, vous voyez, c'est trop beau.
Elles sont magnifiques, ces mèches, elles sont vraiment trop belles. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi à la base elles étaient ondulées et je pense que ma coiffeuse me les a lissées. Et franchement voilà, ça se lisse super super bien, l'effet est vraiment magnifique, elles sont trop trop belles. Donc surtout n'hésitez pas à craquer, je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos pour les commander. Elles sont pas très chères et c'est de la marque Clay Virgin Hair, franchement elles sont trop trop belles. Elles sont canon, j'aime trop trop trop. Du coup je continue un petit peu tout ça et je reviens tout de suite pour vous montrer le résultat. Maintenant on fait l'autre côté. Voilà, on a presque fini les amis. Regardez comment c'est trop beau, vous voyez? C'est magnifique, c'est vraiment trop joli. Je fais derrière. Donc si vous avez du mal ou si vous avez beaucoup beaucoup de cheveux, voilà, beaucoup de volume, n'hésitez pas à prendre un petit, une petite pince comme ceci, voilà, et attacher voilà, en haut, comme ça vous travaillez le bas, ensuite le haut, etc. À sectionner en fait vos cheveux, tout simplement, hop. Ici vous voyez c'est encore un petit peu frisé, hop, on va bien lisser. Donc moi ce que je fais c'est que je tire vraiment vers le bas pour bien lisser tout ça quoi. Voilà. Waouh, j'aime trop, franchement cette coiffure m'a choquée, elle est trop trop belle, j'adore. J'aime trop, c'est pas hyper classe, c'est trop beau. Voilà, je suis amoureuse les amis, je suis complètement fan, regardez comment c'est trop beau. Donc ensuite ce que je fais moi c'est que je vais mettre un petit peu de spray, voilà c'est de l'eau en fait tout simplement que j'ai mis dans un vaporisateur. Et j'en mets vraiment en haut, voilà comme ça, hop. Vous voyez comme ceci. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, ne me demandez pas, je pense que c'est pour plaquer un petit peu les petits baby-hairs et tout, et j'adore faire ça en fait, plutôt que de mettre de la mousse ou voilà du gel, de la laque, je mets ça d'abord, je trouve que c'est plus joli, voilà. Et voilà, je coiffe directement comme ça avec ma main tout simplement. C'est trop beau, franchement j'aime trop. Donc une fois qu'on a terminé tout ça, voilà, n'hésitez pas à brosser une dernière fois. À peigner du coup, voilà comme ça, pour que ça soit vraiment très droit, c'est ce que j'adore moi dans les coiffures hyper lisses. Et voilà ce que ça donne, petite dernière touche, on va utiliser bien sûr la laque de chez L'Oréal Elnett, voilà qui est hyper hyper grande, j'ai pris le grand format et je vais en mettre un petit peu, hop là, voilà pour bien fixer le tout. Qui c'est qui klaxonne dehors là? Voilà comme ça, elles sont bonnes. Elles sont trop bonnes. Et voilà ce que ça donne. Regardez, c'est la plus belle coiffure que j'ai réalisée. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment trop trop beau quoi. Regardez, elle est pas trop belle franchement. Donc voilà les amis, donc c'est de la marque Clay Virgin Hair, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme je vous ai dit. Et aussi très important, je voulais vous parler d'une routine soin que je suis en train de tester, ça fait voilà au moins 20 jours. Ouais, ça fait à peu près 20 jours et elle est juste là en fait. Tadam ! Attendez, c'est ici. Je vais vous parler de ce parfum aussi, on va en profiter. Voilà, une routine de chez Estée Lauder qui est vraiment génialissime, je suis choquée. Ma peau n'a jamais été aussi nickel depuis que j'utilise ça quoi, c'est vraiment trop cool quoi. Donc alors déjà j'utilise beaucoup beaucoup ça, ça se présente comme ceci. C'est en fait une crème énergisante qui se présente comme ceci, elles sont trop bon. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais en tout cas voilà, je l'ai pas mal utilisée. Toulou, je sais pas trop si vous allez voir, elles sont trop trop bon, elles sont super super bon. Je la mets sur mon visage uniquement matin et soir et franchement elle est trop trop bien, ça apporte beaucoup de voilà de tonicité à la peau, enfin je trouve que ma peau est vraiment beaucoup mieux depuis que j'utilise. Donc voilà. Ah oui, et on en parle des packaging, ils sont vraiment trop beaux, trop mignons en rose comme ça, c'est vraiment trop joli. Et ce que j'aime beaucoup avec cette petite crème, c'est que ça me permet vraiment d'avoir beaucoup de fraîcheur au niveau de ma peau, une peau éclatante etc, beaucoup d'éclat. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Ensuite un autre produit que j'ai aimé tester, donc c'est le nettoyant énergisant révélateur 2 en 1, voilà, donc
Radiant Energy, voilà, Nutritious Super Pomegranate, voilà, il s'appelle comme ça. Et du coup, là, c'est vraiment quelque chose que vous allez appliquer matin et soir sur le visage mouillé. Vous allez masser et ensuite vous allez rincer. Franchement, c'est vraiment trop, trop bien. Ça absorbe le sébum, ça enlève toutes les impuretés, les polluants de la peau. Et franchement, la peau est vraiment nickel après. Donc, je suis trop contente aussi. Et enfin, dernier produit que j'ai aimé tester, j'en ai pas testé beaucoup encore pour celui-ci, c'est la lotion énergisante fraîche. Voilà, vous appliquez 5-6 gouttes sur le visage et ça vous permet d'avoir une peau très jolie, de bien préparer la peau. Ensuite, vous appliquez vos petites crèmes, vos sérums, etc. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Ils sont vraiment trop bons. Et j'ai hâte de le tester un petit peu plus longtemps, celui-là, parce que je ne l'ai pas trop testé. Mais en tout cas, voilà, pour les petits... pour la petite gamme vraiment trop trop cool de chez Estée Lauder, je suis vraiment trop contente. Et un parfum que j'ai adoré, j'en ai mis, bon, on va dire 3, 4, 5 fois, franchement il est vraiment trop trop bien. Donc c'est le parfum de la marque Givenchy Live Irrésistible, donc ça je l'adorais beaucoup. Mais là c'est le Rosy Crush que je connaissais pas du tout, je l'adore comme une folle. Mon chéri dès qu'il l'a senti il m'a dit mais en tout de suite et tout. Et voilà, il est vraiment trop trop bien aussi, donc n'hésitez pas à craquer vous aussi, ils sont vraiment trop bons. D'ailleurs je vais en mettre là parce qu'ils sont vraiment trop trop bons. Oh ça sent trop bon, oh ils sont trop bons, c'est un truc de folie. J'ai envie de vous le faire sentir. Oh my god, j'avais oublié ceci les amis, regardez comment c'est trop chou, c'est trop beau. Donc c'est la palette de chez Clarins, Selfie Ready in Flash, voilà, elle est vraiment trop trop belle. Donc au format smartphone, vous voyez, c'est vraiment très original, j'adore. C'est trop beau, c'est trop stylé et du coup je vous la montre. Voilà, ça s'ouvre comme ça et regardez, c'est trop beau. Vous avez en fait 6 fards absolument magnifiques, c'est vraiment mon style de teinte. Des fards un petit peu mat, voilà, un petit peu plus irisés juste au-dessus. Les couleurs sont vraiment trop belles, donc j'ai trop hâte de vous faire un beau make-up avec. Voilà, avec ma nouvelle coiffure aussi, en tout cas c'est vraiment trop joli. Bravo Clarins pour ça parce que franchement c'est vraiment trop canon et j'ai trop hâte de tester ça très bientôt les amis pour tout vous montrer. Bref, en tout cas voilà pour cette belle coiffure de la marque Clay Virgin Hair. Franchement, j'aime trop, je suis complètement choquée, là je suis choquée à vie parce que j'ai jamais eu une coiffure aussi belle et vous avez été très nombreux quand je vous ai montré un petit peu des petits avant-goûts sur Snap à me dire que c'était vraiment trop beau. Donc voilà, je vous montre le résultat, j'ai tout lissé en direct avec vous et franchement j'adore, j'aime trop trop trop, c'est hyper naturel, très joli, soyeux, doux et voilà quoi, je sais pas quoi dire de plus à part que je suis amoureuse. Donc bravo Clay Virgin Hair, c'est vraiment trop beau. Comme toujours les amis, mettez plein de gros pouces en l'air pour voir encore plein de vidéos, j'ai trop hâte de vous faire encore plus de vidéos. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la Makeup Chic Family, vous êtes de plus en plus nombreux. Et quoi, t'es pas encore abonné? T'es pas abonné, c'est juste là que ça se passe, t'inquiète pas, on t'attend, c'est juste là. Voilà, et activez les petites notifications en cliquant sur la petite cloche de ce côté là également. Quant à moi, je fais des gros bisous, je vous aime de tout mon cœur, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bisous, je vous aime, ciao.